Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde, c'est Dr Pam qui entre la carreau et nous venons présenter un autre sujet. Et un autre sujet, nous venons parler de diabète et diabète sucré particulièrement. Voir qu'il y a plusieurs diabètes, mais et je dis à nous choisir de parler de diabète ensemble avec vous. Tout d'abord, je vais demander pour capable abonner avec TAC 509. Et pour faire ça, c'est juste taper sur l'icône abonner et puis ou pour petit cloche là tout, ou juste taper sur le soutien mais recevoir nouvelle vidéo que TAC 509 les mêmes la guerre. Diabète. Qui ça diabète même lié en soi. Diabète sucré plus particulièrement. Diabète sucré qui ça lié c'est taux de sucre ou du moins quantité de sucre que vous-même vous gagnez dans sang. Donc diabète c'est un bagage qui très très vaste. Il y a diabète de type 1, diabète de type 2, gain diabète insipide, gain diabète gestationnel. Mais nous-mêmes, nous choisissons pas le diabète de type 1 et puis diabète de type 2. En fait, c'est eux-mêmes qui pi courant dans la société par nous et qui pi fait peur de nos jours dans la société haïtienne. Diabète de type 1, c'est un diabète qui normalement frappe Haïti des plus jeunes âges, donc il gain doit 7 mois, il gain doit 1 an jusqu'à l'adolescence. Eh bien, diabète de type 1 lui-même, comment ça fait? Comment ou même ou vine yon moun qui diabétique? C'est pas façon que ou même ou manje. Non. Glucide là, normalement, et sucre là, nous joigne dans sa orelle glucide là. Donc, c'est glucide qui pote sucre là dans l'organisme. Comment ça fait? Donc, ou manje. Et puis, l'organisme lui-même li gen yon enzyme que lui-même li libéré pour qu'il transforme glucide là en glucose. Qui c'est sucre? Eh bien, les sucres là, arrivent dans l'organisme, c'est pour un bagage qui était comme ça, et puis, juste rentrer dans l'organisme, il y a des mesures qui prennent, il y a des règlements qui font tout ça. Donc, règlement ça, qui est-ce qui met en place? C'est l'organe que nous avons encore là, qui est le pancréas. Pancréas lui-même, ça lui-même, il fait, il y a deux hormones que les sucrétés. Les sucrétés insuline, les sucrétés glucagon. Glucagon lui-même, il fait augmenter le taux de sucre là dans le sang. Insuline lui-même, il fait baisser taux de sucre là dans sang. Et bien comment ça fait? Les sucre là lui-même, il arrive dans l'organisme. Qui ça insuline lui-même, il fait? Les juste dit sucre là, mais comment? Chaque partie, mais qui partie, mais quantité de sucre lui-même la procure. Donc si c'est lui-même qui l'a pour faire ça, à force que vous-même vous prenez glucide de temps en temps. Et aliments manger quoi manger ou pas équilibré, ça vient faire que pancréas vient fatigué, les pas sécréter insuline encore et puis laisse arriver dans l'organisme, li gaille li rentre côté venir passer directement dans sang. Donc ça lui-même c'est pour diabète de type 1, moun sa yo le plus souvent yo relé c'est moun qui insuline dépendant. Donc m'a bien pour m'expliquer nous après l'aime fin dit nous qui ça diabète de type 2 yé, ça fait relé insuline dépendant. Moun ki diabète de type 2 le plus souvent et c'est moun ki obèse, moun ki gro, moun ki gen en pile graisse, moun sa yo vraiment susceptible pour yo faire diabète de type 2. Eh bien, comment ça lui même li fait? Et yo moun ki fait diabète de type 2, en fait, tout d'abord pour yo moun fait diabète de type 2, exactement ça qui passe dans corps, c'est que moun sa lui même à force que li gagne et li gagne trop graisse. En fait, insuline que li gagne dans corps lui-même, ça vient gagne en difficulté pour lui-même pour pénétrer dans cellule et dans cellule adipeuse et c'est ça qui vient bail et diabète de type 2. Donc pour lui pénétrer donc il faut qu'il traverse une barrière. Et normalement le barrière ça lui-même il gagne trop masse de graisse, ça vient faire que insuline n'a pas qu'à pénétrer. Donc insuline arrête côté lié hein. Ça vient faire que et moun sa li même li vin gagner diabète de type 2. Donc nous parlons de diabète de type 2 comment li même yo et organisme là et dysfonctionnement organisme qui fait que ou vin gagner ça que le diabète de type 2 et puis diabète de type 1. On moun ki gen diabète de type 1 comment et maladie ça présenté ou après le plus souvent ou même qui fait diabète de type 1 ou vin et plus particulièrement moun sa li gagne yon soif intense parce que pas insuline et li gagne yon soif intense moun sa tout li vin et li gagne sensation de fatigue, li gagne sensation de nausée, li gagne tout ça la caille. Comment ça lui-même li expliquer? Normalement et le plus souvent glucose en lui-même ou connaît que gagne ça qui les reins. Reins en lui-même qui ça lui-même lui fait, c'est lui-même qui
et filtrer déchets qui dans sang. En fait, c'est lui-même qui fait filtration pour sang. Donc là, je fais filtration. Normalement, ça arrive que les filtrer en quantité de glucose qui est en excès, qui vient trop dans rien. Tout côté qui gagne trop concentration dans l'organisme, l'organisme a toujours une tendance lui-même pour voyer de l'eau côté qui gagne trop concentration. Et ben l'aide l'eau à rentrer dans rien, en fait, disons dans vessie lui-même lui vient trop, gagne trop de l'eau et ça vient faire que mon lui-même la pipi en pile. Donc le monde ça vient à pipi en pile et c'est une raison qui fait que ouais que et si mon ça même goûte pipi que le fait hein, la boit que les sucrés. Donc ça passe c'est glucose qui était trop concentré vient faire que dans urine dans pipi hein, mon a jeté une quantité de glucose. Ensuite et par la suite à la à, et en fait puisque mon a lui-même l'a jeté une bonne quantité de l'eau. En fait, la pipi en pile, ça vient faire que mon ça vient en soif de temps en temps, c'est une raison qui fait que mon ça on va souvent la lever et endormir pour la pipi ou du moins et la boire de l'eau de temps en temps. Et puisque de temps en temps que on boit de l'eau, ça vient faire que on une sensation de fatigue. L'autre bagaille tout c'est que n'a pas les deux et diabète de type 2 monde qui diabétique dans étape ça en fait et catégorie ça donc c'est un monde normalement et qui ça lui-même il ca régularisé on toujours un médecin lui-même l'a demandé que ou même qui sont diabétiques et un monde qui obèse il a demandé pour qu'a faire sport OK donc il a demandé pour qu'a pas faire sport et de temps en temps et pas comme si et il y en a bagaille pour faire attention ça ma belle c'est que si que on fait sport si que on fait sport pas oublier que l'on fait sport on dépenser énergie on utiliser un pile glucose donc le genre de monde ça c'est monde qui susceptible pour yo en hypoglycémie et on va faire une petite parenthèse et qui ça hypoglycémie hein? Hypoglycémie c'est les gain et quantité de sucre en lui-même les baisser dans sang. Eh bien, donc la quantité de sucre là, les baisser dans sang, si on a bagay qui vraiment inquiète et c'est un monde qui m'a dit comme pour une prise en charge beaucoup plus vite parce que un monde qui en hypoglycémie, c'est un monde que en fait cellule yo pas oxygéné. Pas oublier que on a bagay principal oxygène et cerveau là lui-même c'est glucose. Et dès que cerveau là n'est pas oxygéné, c'est un bagay qui fait monde là non seulement il ca ba monde là il se sait type pour ba mon dans un paquet d'autres maladies comme par exemple mon gars doit gagner une insuffisance cardiaque mon arbre et mon n'a pas de gros vertiges mon n'a pas même en dyspnée donc c'est plusieurs symptômes que mon n'a bien donc dans cas ça sous pas au plus vite intervenir pour ba mon ça et pour injecter en quantité de sucre ou du moins pour ba mon ça n'importe ça qui sucré fait le manger donc mon ça quand même tomber dans coma et qui dit coma ou toi mon ça il est capable mourir. Donc et c'est un bagage qui très important là où sont monde qui diabétique ou supposé et en fait non seulement ou faire sport mais ou supposé une quantité de sucre que ou prend qui vraiment ajusté dans l'organisme. Donc et nous présenter et comment ça cailler un monde qui diabétique. Il y en a bagage tout dans monde qui diabétique que la plupart des temps ou du moins me rappeler que et si on a bagaille que on fait allusion ça m'avel yo dit comme ça que mon nan gon sucre mon nan gen sucre et puis mon nan ils sont son vieux sucre lié parce que et sucre la gen t'a pété dans pied yo mandé pour yo couper pied ça qui vient passer qui fait que et pied mon nan attaqué ou gen normalement un système qui l'a pour voyer information pour capable faire de différents mouvements et pour information ça au capable circuler ou connaît que sans lui-même y participer dans différents et fonctionnement organique surtout donc le plus souvent partie ou du moins nerf qui lui-même voit information jusqu'à les orteils mon nan le plus souvent nerf ça a tendance à dysfonctionner parce que plus que et yo vinn dysfonctionnel sans lui-même li pas arrivé jusque là. Donc le fait est que sans lui-même li pas information pas arrivé jusque là. Donc de temps en temps on apprend que partie que information pas arrivé ou apprend que li pas une sensation là-dedans. C'est une raison que on apprend que mon nan lui-même li blessé. En fait,
moun nan li menm li blessé li pa gen ken sensation que li blessé. Donc c'est pas que sans pas arriver là mais c'est que information ou du moins nerf sensoriel yo et sensation qui peut toucher jusque là li pas arriver à cause de en fait incapacité cerveau pour fonctionner. Donc tout de suite et ou après que moun sa gen des malaises qui a li menm la panflé. OK, ça que il est œdème dans terme médical là. Donc dès que mon a commencé à arriver dans stade ça, médecin lui-même l'a toujours voulu prendre bonheur pour lui couper partie qui exactement que mon n'a pas des sensations là-dedans parce que normalement la va gagner la va et tout côté que l'homme sans lui-même li pas oxygéné ou a toujours bien son côté comme si qui est susceptible à maladie son côté pas ca et combattre infection et ou après que mon a lui-même et puis apparaît li gen en fait des malignes là-dedans et c'est une raison qui fait que docteur Alim l'a procédé à une amputation en bon créole l'a coupé pied ça. Donc pour mon qui obèse donc il y a une façon ou même pour nourrir tête même genre avec mon et en fait diabète de type 1 il y a une façon que y a nourrir tête. Donc et tout de suite n'a pas et tout de suite n'a parlé de et comment ou même ou capable nourrir tête et normalement ou même qui diabétique comment ou même ou capable camper face à maladie ça comment ou même ou capable nourrir tête tout pour capable continuer vivre ensemble avec c'est vrai c'est une maladie qui vraiment fait peur mais sous suivre en fait conseil médecin que lui-même il baou sous suivre et façon que ou équilibrer façon que vous manger ou son monde qui capable vivre ensemble avec diabète et pourquoi pas aboutir ensemble avec et un traitement et qui est adéquat. Et yon moun ki diabétique normalement li ta supposé manger un manger qui équilibré comment ça. Donc nous toujours gen tendance pour nous dire moun yo et si moun nan li même diabétique li pa supposé et manger sucre du tout non. Donc moun sa li même capable manger sucre mais de façon équilibrée. Comment il capable faire ça? Normalement il est recommandé qu'on mange entre 30% de 50% de glucides, 15 à 20% de lipides et puis 50 à 55% de protéines. Bon, tout qui ça aliment ça là au 30% de glucides, donc son monde lui-même qui capable manger un petit cal et fruits ou du moins si un petit sucre tout petit c'est la fête dessert. Donc il pas besoin exagérer et maximum deux fois par jour. Deux fois par jour, il est capable de goûter et on mange qui gagne sucre là-dedans. Donc, et 15 à 20%, mon salé même, il est capable de manger un petit, il est capable de prendre un petit graisse, 15 à 20% de lipides, il est capable de prendre un petit graisse tout petit et qui pas en quantité énorme une fois par jour, à l'excès deux fois par jour, mais il n'est pas obligé deux fois par jour, il est capable de manger une fois par jour et il mange un petit graisse. Pour question protéines là lui-même c'est nous joindre protéines dans viande que n'a consommé donc on capable à 50-51% donc on capable manger une petite quantité de viande en 2 à 3 morceaux et 4 morceaux peut-être ou 5 donc ou pas à l'effort de là on va avoir une alimentation qui est vraiment équilibrée et là ça on va vivre avec ça là sans problème donc et on va toujours kembe et rendez-vous qu'on gagne un médecin pour là pour le capable venir injecter ou du moins pour prendre injection insuline donc lui même là connaît à qui dose que pour le baroud pour toujours kembe et puis et monde qui fait diabète de type 2 ça nous sous parler de obèse là ou du moins le plus souvent il y aurait les monde ça monde qui insuline résistant genre que nous saute expliquer ça là donc monde là lui même l'insuline est présent contrairement à diabète de type 1 monde ça lui même qui pas qui insuline lui même qui très pauvre en insuline donc monde diabète de type 2 lui même il gagne insuline ça qui passe c'est que c'est trop graisse que il gagne dans organisme qui empêche que insuline là il pénétrer côté ta supposé pénétrer pour le faire règlement et pour sucre pour taux de glucose taux de sucre là donc mon ça lui même qui ça l'a fait qui ça mon ça lui même l'a fait son monde comme si il recommandé pour faire sport le matin faire courir le matin pour perdre du poids à la minute que mon ça lui même il perd du poids il réduit la quantité de graisse qu'il gagnait il réduit la quantité de cellules et graisseux qui dans corps ça vient faire que insuline lui même il sans problème pour pénétrer
en fait côté l'état supposé entre eux en fait disons c'est insuline et les vins plus facile pour insuline pénétrer dans cellule et puis ça permet que taux de sucre en lui-même les réguler en les régulariser en fait les fait travailler normalement taux de sucre là quantité que tu as supposé rentrer les rentrer normalement. Donc et il y a un monde qui diabète qui fait diabète de type 1, il y a un monde qui fait diabète de type 2. Donc et pas gain aucun crainte. OK, pas gain aucun crainte ou t'as supposé gagner si ou suivre genre de conseil ça haut que nous-mêmes nous sommes portés pour. Donc et ou régulariser ou en fait ou équilibrer manger que on manger ou fait du sport tout autant que et ou suivre conseil médecin pas ou et on prend et injection insuline surtout tout monde qui est diabète de type 1 il prend injection insuline à temps à dose recommandée par médecin et un monde qui fait diabète de type 2 il fait sport et de manière que il perd du poids et qui permet que insuline n'en pénètre normalement donc ça vient faire que monde ça lui-même sans problème pour le vivre ensemble avec et diabète que lui-même lui souffrir. Et ben voilà, c'était docteur Pam qui était venu pour te présenter au diabète parce que à partir de jeudi, on l'a très très à l'aise pour vivre ensemble avec maladie ça. Donc sans aucun crainte et on même abouti à un traitement, j'en suis dit là, sous suivre et genre de conseils et genre de si précision que nous sommes portés pour la présentation ça. Sous ta gain question capable toujours et commenter en bas présentation ça ou du moins sous besoin poser question là pour beaucoup plus et confidentiel ou capable écrire bien entendu WhatsApp sur 39 35 22 98 ou du moins suivre page Dr Pam là sur Instagram ou juste Dr Pam écrit et puis ou follow et puis poser question et dans message on va écrire et puis poser question pour capable bien plus idée de maladie ça. Quant à moi-même, moi pour une autre fois en présentation ça et sous taxe 609 pour un autre sujet. Merci.